De A à Z chez quelqu'un et aujourd'hui je me trouve chez mon papa, je vais lui faire son hall d'entrée. Donc pour contextualiser un peu les choses, son hall d'entrée c'est un endroit où il ne va jamais parce qu'en fait c'est le fourre-tout. Du coup je me suis dit que j'allais bien tout lui organiser pour que ça soit mieux et plus fonctionnel pour lui. C'est un espace qui est vraiment très très grand, on peut y mettre plein de choses et franchement là je vais vraiment tout bien lui faire. Donc comme vous pouvez voir, il y a trois armoires. Une avec des cases et deux en genre de penderie avec des rangements au-dessus et en dessous. Je vais commencer par la première armoire où il y a les cases. Je vais d'abord tout vider, nettoyer, trier et mieux organiser. Quand je lui ai fait sa cuisine, nous avons acheté énormément de bacs. Il y en avait en trop. Du coup, je vais réutiliser ceux qui n'ont pas servi pour cet espace-là. Au moins, rien n'est perdu.
You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. J'ai mis dans des petites boîtes ces médicaments que je vais mettre tout en bas, comme ça, là, ça sa réserve à pharmacie. Il a énormément de draps qui ne lui servent pas, où il y en a où ils sont dépareillés, il manque une tête d'oreiller ou quoi que ce soit. Du coup, moi, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais faire un gros tri des draps. Donc, dans un sac poubelle, je vais mettre tout ce qu'il faut donner. Dans un autre, je vais mettre tout ce qu'il faut jeter. Et juste à côté, je vais mettre ce qu'il faut garder. Je vais également lui faire un petit bac avec toutes les nappes pour sa table de cuisine. Au moins, il sait que ça se trouve là. J'aurais voulu les mettre dans la cuisine, mais je me suis dit, autant faire une armoire avec tout ce qui est linge de maison, linge de lit. Dans les autres boîtes ou paniers, comme vous voulez, je vais lui mettre un côté pour les têtes d'oreiller, comme chez moi. Je vais les enrouler pour qu'ils soient bien mis. Dans un autre bac, je vais mettre les housses de couette et un autre avec les draps. Là, au moins, tout est bien catégorisé et chaque bac a chaque chose. Je vais mettre quelques livres, un aussi avec des pochettes où il y a quelques papiers et un autre avec les gros cartons des feuilles blanches pour son bureau.
premier rangement, je vais nettoyer la porte coulissante et je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat pour la première armoire. On peut voir que c'est vraiment un très très gros changement. Je trouve que c'est plus épuré et j'ai gardé vraiment que le nécessaire. J'ai enlevé vraiment ce qui ne pouvait pas rester là. Comme ça, c'est mieux. Pour la deuxième armoire, au-dessus, c'était vraiment un gros fourre-tout et je n'ai pas hésité à tout enlever. Mais pour commencer, je veux enlever les vestes, les manteaux de mon papa. Je peux vous dire qu'ils font 4 fois mon poids, du coup c'était très compliqué et très 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 lourd. Pour la deuxième armoire, au-dessus, c'était vraiment un gros fourre-tout. Ce qu'il y a au-dessus, je vais vraiment tout enlever et je vais trier. Mais avant ça, bien évidemment, je vais nettoyer ça au produit. Après avoir nettoyé la deuxième armoire, je vais m'occuper de toutes les choses que j'ai enlevées. Je vais mettre dans un sac poubelle tout ce qu'il faut jeter. Là, il n'y a rien à garder ni à donner. Quand j'ai tourné cette vidéo et que je lui ai fait son hall d'entrée, je me suis rendu compte que l'on cumule énormément de choses sur plusieurs années. C'est incroyable. Je me suis dit, mais pourquoi il a gardé tout ça? Vraiment, il y avait même des choses de quand j'étais petite, alors que ça sert à rien. La deuxième armoire, je vais remettre toutes ces vestes et ensuite je vais nettoyer également la porte coulissante et je vous montre le résultat. Là aussi, comme la première armoire, j'ai gardé vraiment que le nécessaire. Du coup, j'ai gardé que ces vestes, les autres choses, hop, poubelle. Pour la troisième armoire, là aussi, c'était vraiment un fourre-tout. En fait, cette pièce, tout court, c'est un fourre-tout, mais bon, bref. Donc là, pour la troisième, on peut voir qu'il n'y a pas énormément de choses. Je vous laisse voir la suite de la vidéo. Mais franchement, je me suis dit, mais en fait, c'est entassé. On croit qu'il n'y a pas beaucoup, mais en fait, il y a énormément de choses. Donc voilà, comme d'habitude, j'enlève tout, je nettoie, je trie et ensuite je réorganise.
Du coup, tout ce qui était sur le côté, j'ai également tout jeté et j'ai mis les choses principales qui sont vraiment utiles, comme ici, l'essoreuse à salade, quelques plats, le robot pâtissier. Et ensuite, après ça, je vais nettoyer la porte coulissante et je vous montre le résultat final. Comme vous pouvez voir aussi ici, c'est vraiment plus net, plus propre, plus épuré. Je trouve ça tellement mieux, mais aussi plus optimisé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, mais aussi qu'elle vous a motivé. J'espère également qu'elle vous a donné quelques idées pour organiser un petit hall d'entrée. N'oubliez pas de liker, de commenter ma vidéo et me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite grandement à le faire. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Pour ma part, on se retrouve exceptionnellement lundi 1er novembre à 14h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.